hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, très matinal. Il est 8h, on est le 27, 28, on est le 28, on est jeudi 28. Et du coup je rejoins Cassou à pied, parce qu'elle est sur la route pour venir jusqu'à son appart et qu'on attaque à nettoyer, à ranger, à débarrasser, à tout. Il faut que je l'amène à Waldom, il faut que je l'amène à la fabrique aussi. Donc, du coup, on fait ça de bonne heure. Et de bonne humeur. La sister, il dort encore un peu et puis après, ils viennent nous rejoindre. Cet après-midi, il doit aller à la tasse, qu'on cherche son canapé. Et puis voilà. Et nous, il faut qu'on débarrasse sa chambre, qu'on démonte le lit de bébé, qu'on démonte la commode à bébé, qu'on démonte le lit à Cassou, qu'on vide ses armoires. On va s'éclater. On va s'amuser. Donc voilà, du coup, je rejoins mademoiselle Cassandra. On fait une petite marche matinale. Voilà. Mais t'as la partie sur la main. Bonjour les copines. Sandra s'est fait casser le cul par un nettoyant tapis. 12 pelles. 12 euros. Ça fait mal au cul. Ça fait très mal. Putain, mais c'est immense ici, je suis jamais venue. C'est quoi que tu cherches exactement? Parce que tu vas me faire faire tous les rayons pour rien, je le sens là. Attends, on est pourquoi? Je sais pas. Ah, les meubles de cuisine et une poubelle. Donc. Je me fous dedans. Tu veux pas un chiotte? C'est quoi? Pour nettoyer, non mais une brosse, tu sais. Ça là, ça tu l'as? D'accord. Pour l'instant j'en ai pris une pourrie, j'en prendrai une mieux. Oui, oui, oui. Et donc tu m'as dit, on est là pourquoi? Elle vient de me le dire, je m'en souviens. Meuble de cuisine. Meuble de cuisine et? Là c'est charmant. Là c'est charmant. Ok, je te fais ça, c'est ben ça alors. Des trucs comme ça où tu les... Ah mais j'ai déjà moi dans ma douche ça. Et ben alors qu'est-ce que tu viens faire dans ce rayon? Tu vas dépenser des sous pour rien. Dégage. Tenez à votre portefeuille, votre compte en banque et à votre banque. Faut pas venir à la fabrique. Faut pas venir ici. Regardez-moi la cutance. Surtout si vous avez des enfants. Oh, je suis trop fan. Pour mettre dans la future chambre de Maëlys. Oh, je surkiffe. J'adore. Oui, on n'est pas venu pour ça. Mais c'est trop beau. Je kiffe. Il y a trop de belles choses. J'aime bien les trucs à jouer là aussi. Je kiffe, c'est trop beau. Oh, j'adore. Est-ce qu'une maison sans bougies, c'est pas une maison? Alors faut prendre des bougies, parce que les bougies, c'est la vie. Ah oui. Elle a dit ah non, moi je veux des bougies. Ah oui. Je veux pas de canapé s'il faut, mais je veux des bougies. Je dors au sol, je mange des cailloux, je bois de la pisse, mais je. Je veux des bougies. Je veux des bougies. Non, en plus il y en a des jolies. Il y en a des jolies. Moi, je prends les valises. Moi, j'aime bien les noirs comme ça, sont jolis aussi. Toi, t'es un peu gore quand même, non? Non, mais non, c'est joli, ça fait classe aussi. Regarde, des bougies noires. Ça fait. Toi, ça fait fifi. Non, ça fait nude. C'est nude. La nudance. Bon, du coup, j'ai déposé Cassandra à l'appartement. Et je retourne la rejoindre à pied. Je suis revenue poser la voiture devant chez ma soeur parce que là-bas, il n'y a rien pour garer la voiture. Enfin, c'est des stationnements payants, donc je ne vais pas payer une blinde pour la journée. Et du coup, on a déballé tout ce qu'elle a déballé. Maintenant, il va falloir le monter et attaquer le ménage. Voilà. Ben, je vous reprends quand on est là-bas. Nous, dans la famille, on est des gueudins et même les murs, on les balaye. On les balaye. Et alors, il y a là. Je suis mort. Je suis morte. Après on dit que moi je suis accro au ménage, marrant. Bon, c'est qui a donné l'idée qu'il fallait balayer les murs? Attends, un petit peu moi. T'es trop petite? Mais non, non, c'est pas attention, en fait, ma femme a tout la tête. C'est une migale qui sort. Une migale. La meuf, quoi. Tu fais ça bien, hein? Quoi? Tu fais ça bien. Ouais, attends, je m'en fais ça. Sinon, toi aussi, Ouais, mais moi je ne t'as pas les murs au moins. Tu vois? La luminosité. Ah.
j'espère que vous allez bien. C'est le petit retour à bombe. Là, je fais une petite pause cigarette. Voilà, il est en midi moins 10. Je finis quelques bricoles à faire là. Après, on va vite chez ma mère récupérer les affaires. Commencer à démonter les meubles, récupérer les affaires, les mettre en carton et tout. Et après, il faut tout ramener ici. Et voilà quoi. C'est tout ça. Laver le frigo à fond, j'ai balayé les murs, les plinthes, mon armoire que j'ai commencé, donc je finisse là. Le frigo, la gazinière, il faut que j'aille acheter une bombe esprit parce que finalement le site banque, ce n'est pas assez. Je vais acheter une bombe esprit pour dégraisser le four. Et c'est tout. Allez! Et c'est tout. Après, ouais, faut. C'est tout. C'était un grand mot. Faut le trier la salle de bain à fond, la chambre à bébé à fond, la cuisine à fond. Voilà. Bon, allez. À plus tard! Ça, c'est ma petite fierté. Mon petit bar. Ne pas faire gaffe au bordel. Voilà. T'as quelques petits achats à la fabrique, l'endroit où on a dit précédemment qu'il ne fallait pas y aller, hein, si on donnait notre banquier à la carte bleue. J'aime pas trop moi, mais je tiens ma carte bleue. Voilà, ça je kiffe. Allez. Ça c'était le coup de cœur, ça. Oh, ça c'est mon horloge. Ça. Attends, je vais te le tenir. Ça. Ça. Le canapé, je le garde pas, je le précise. Pardon. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Mais il est canon. Ouais. J'aime. Et celui-là, famille. Voilà. Après, il y a quelques petites bricoles. Trucs pour la vaisselle. Boîte. Encore des boîtes. De la déco. Ça, c'est trop mignon, je trouve, pour la déco de la cuisine. La cuisine. Ouais. Je trouve ça trop chouette. Et voilà, quoi. Après, c'est des bricoles. On verra plus tard. Voilà. Bon, les amis. Il est... 1h de l'après-midi déjà. Patati d'or. Du coup, je vous disais, il est 13h et on est de retour chez la sister vite fait et on va. C'est Enzo, je pense. On va commencer à démonter ce qu'il y a dedans. Non, c'est Adeline. Salut. Ok. Ça avance, les gars, ça avance. T'es contente de déménager? Ça, après, ravie. Bon, on vous reprend les amis. Il est 4h20. Je suis de retour à ma voiture. Je suis vite partie de chez Cassou. On a monté tout le premier voyage, tous les gros trucs. Ça y est, on a tout monté, tout mis en place entre guillemets, ce qui allait dans les chambres, ce qui allait dans les trucs. Heureusement, il y avait Rachidou, ma soeur du coup aussi. En plus, je voulais pas qu'elle porte trop avec son opération qu'elle a eue et tout. Donc, elle peut pas trop porter de poids et tout. Donc, franchement, je voulais pas qu'elle porte. On a sorti les muscles. Franchement, on l'a géré. On a déchargé même rapidement, je trouve. Voilà, on en a chié. Parce que monter, descendre les étages, j'avais le palpitant, j'ai cru qu'il allait exploser. Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ma petite vieille. Je l'ai rattrapée. Du coup, là, je vais récupérer les loulous. Parce que Maïs sera à 4h20. Maïra à 4h30. Charlie et Allison à 5h. Et ensuite, à 5h, elles vont chercher leurs affaires. Et ensuite, on revient ici parce que bah, c'est pas fini. Il va falloir nettoyer toute la chambre, du coup, de tout ce qu'on a enlevé, etc. Et que moi, j'aille chercher en bas le clic-clac et le lit pour pouvoir le monter. Voilà. Donc, bah, il va falloir monter, il va falloir bricoler, il va falloir user des tournevis, etc. Donc, on n'est pas encore fini la journée. Voilà. Bon, ils seront calés dedans bonheur, hein, mais pendant qu'ils prennent leur douche, etc., qu'ils vont faire leurs devoirs et tout. Et eh ben, je ferai ça avec Enzo. Voilà, il m'a dit qu'il me donnerait un coup de main pour tout monter du garage à en haut. Une fois qu'on aura fait tout ça, ce sera déjà bien. Demain, moi je peux pas aller aider Cassandra parce que le matin j'ai le champ. Après, les filles elles ont pas les cours l'après-midi, donc entre midi et deux je les récupère, etc. Après, je suis fini à 3h, mais on a 4h30. Donc c'est vrai que c'est un petit peu la course. Le vendredi, c'est pas possible que je puisse aller l'aider. On va voir si elle arrive à se libérer elle samedi. Pour venir finir, ben, mettre dans les cartons, dans les sacs et tout. Mais ça, après, voilà, on n'a pas besoin du camion. C'était vraiment aujourd'hui le plus gros qu'on voulait faire parce qu'on avait le camion. On peut les mettre dans la voiture, voilà, tout ce qui est sac avec des fringues ou des conneries comme ça. On peut le faire après, même dans la semaine ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas si on va continuer ça ce week-end. On verra bien. Écoutez, en attendant, je vais chercher les loulous et puis ben, on se retrouve tout à l'heure quand on a récupéré les zouzous. Bon, les amis, il se fait un petit peu tard. Il est 20h30. Les loulous, ils s'en vont au dodo. Et du coup, nous, on voulait vous faire voir ça. On a reçu ça, vous mettrez le lien en barre d'infos bien évidemment. Et c'est une petite veilleuse en fait qui a une forme de lune,
Voilà. Et du coup, il y a la télécommande qui va avec. Et franchement, elle est trop, trop bien. On peut changer la couleur. Elle est trop belle. On peut changer la couleur, etc. Et après, la luminosité. Oui, et après, si on veut, on peut appuyer ici et ça l'allume. Et ça change de couleur. Changer la Donc, ça couleur. Se branche avec... ça se recharge avec un câble comme ça. Et au bout, vous avez la prise comme, bah, comme le téléphone, en fait. Et attends, je vais fermer. Et comme ça, on va leur faire voir comment ça fait dans la nuit. Donc, dans la nuit, ça fait ça. Et on dirait vraiment qu'il y a des cratères et tout dessus, en fait. C'est trop, trop, trop mignon. J'adore. C'est trop joli, je trouve. J'aime encore beaucoup. Encore là, c'est que la caméra. Ouais, et encore là, c'est que la caméra. Change, change de couleur pour voir. J'aime bien en bleu aussi. Elle est trop jolie. Rose. Et après, on peut monter la luminosité, la baisser. Ouais. Franchement, c'est canon. La orange, j'aime bien aussi. Ce qui fait un peu orange. Là, celle-là. Non, celle d'avant. J'adore. Ouais, celle-ci, c'est la plus jolie. Je trouve, on dirait vraiment la lune. Ouais. Elle est trop belle. Moi, ma préférée, ça reste la blanche normale. Ouais, aussi, ça, c'est joli. Non, franchement, c'est super bien fait. C'est joli, je trouve. C'est sympa. Bon, du coup, il y a des filles, elles sont couchées. Maëlys, elle fait déjà dodo. Ma bébé, elle fait déjà dodo. Elle n'est pas très loin non plus. On a mis ce que notre abonné nous avait offert. Du coup, il y a un petit coup là. C'est trop joli. C'est trop mignon. Et Alison, il y a ton lit qui t'attend. Dépêche-toi, s'il te plaît, au dodo. Ton lit est cool. Tu t'es enrubé. Tu t'es enrubé. Ouais. Les amis. Il est 22h15. Et du coup, ça y est, tout le monde est dodo. Ma soeur aussi, ils sont partis dodo. Les loulous, ça fait belle durette qui dorment. Et moi, je vais me caler devant l'ordinateur. Et puis, si je le finis rapidement, je me calerai devant mon site de streaming que j'aime bien. J'ai vu qu'il y avait le nouveau Mary Poppins. Donc, autant je mettrai ça pour m'endormir. Voilà. Je suis claquée. J'ai mal partout. À mon avis, demain matin, quand je vais me lever. Je vais décéder tellement que j'aurai mal partout. Ça faisait longtemps que je n'avais pas bougé comme ça. Ça fait du bien en tout cas. Bref. Du coup, on vous retrouve demain pour une nouvelle journée. En attendant, je vous souhaite une très bonne nuit. Et je vous fais plein de gros bisous. À demain.